Le jingle et ça va partir. Et c'est parti même. Et ben voilà. Ah oui, le superbe départ, j'ai l'impression que c'est... C'est intérieur. C'est Julien Colomban, Dabert, Gonnet, pas bon départ. Quatrième, ça va. Et Julien Colomban, double, c'est lui qui a fait le all-shot dans la finale de hier soir. Allez, Vivien Gonnet. Ouais. Attention à Sylvain Dabert à l'extérieur. Vivien Gonnet qui a réussi à prendre le bon wagon. Faut pas laisser partir Sylvain Dabert, là, qui fait l'extérieur. Oh là là, le freinage. Attention, Gonnet qui passe Colomban, à l'intérieur. Ça passera pas. Colomban, Dabert, Gonnet, après on a Marc Germain et derrière Maxime Emery. Oui, Maxime Emery qui doit être là, monsieur. Oui, c'est la moto de Maxime Emery qui est derrière. Pour l'instant, Sylvain Dabert qui perd du terrain pour Julien Colomban. Hein. Attention. Ouais. Allez, Julien. Julien Colomban qui boucle le premier tour en tête. On vous le rappelle, il est d'ici. Il a fait deuxième de la finale. Regarde Gonnet au freinage. Hop, extérieur. Voilà. Ça va recouper à l'intérieur. Allez, il va plonger à l'intérieur, mais il ferme la porte. Chaud, eh ben attends, il ferme la porte, Sylvain. Allez, là, il essaye. La motricité, Luxembourg. Ça va passer pour Gonnet, oui. Et c'est passé. Oh, magnifique, Vivien. Oh, comme sa motrice, là. Allez, on rentre dans la grande parabolique. Alors, regardez. Oh là, c'est chaud le freinage. Ouais. La roue avant qui a failli se dérober pour Vivien Gonnet. Il réussit à garder la moto en tête. Oh, et vous avez vu la moto qui glisse beaucoup moins. Oh, la moto, elle va bien. La moto de Vivien Gonnet, superbement bien réglée, qui glisse beaucoup moins que la moto de Sylvain Dabert. Et Vivien Gonnet qui est parti à la stage de Julien Colomban. C'était chaud. Hein. Et on a vu que Julien Colomban glisse beaucoup aussi. Glisse beaucoup. Magnifique, Julien. Mais ça le dérange pas. Ah oui, on l'a retrouvé, ça y est. Ah ouais, avec la Sherco. Allez, deuxième tour de cette finale, super finale, pardon, la première. Ça se resserre. Par contre, dis donc, Sylvain Dabert ne peut pas suivre le rythme en ce moment. Sylvain Dabert est en train de lâcher le rythme des deux hommes de tête avec toujours Julien Colomban. Une demi-seconde d'avance sur Vivien Gonnet, mais il revient. Oh, le freinage là-bas au bout. Regarde l'extérieur. Regarde là qui va recouper. Il va recouper intérieur maintenant. Allez, recoupe intérieur. Alors là, le freinage suivant. Il va être terrible. Oui. Oh, le freinage. Le freinage magnifique. Au chalet. Oh là 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 là. Il est vraiment au-dessus du lot. Hein. Oh là là. Sylvain Dabert qui est en délicatesse. Hein. Ouais. Cet homme est un extraterrestre. Allez Vivien. Regarde, il est passé, il a déjà pris deux longueurs. Ah ouais. Allez, Vivien Gonnet, passage pour la troisième fois. Puis la moto, elle marche. Hein. On est à mi-course. Magnifique. Et Vivien Gonnet, record du tour en plus. Tranquille. Qui prend la tête, 47-3, record du tour. 47-3. Hein. C'est le tour le plus rapide enregistré. Eh bien oui, 47-3, c'est le tour le plus rapide, toutes disciplines confondues. Il est en train de s'échapper, Vivien Gonnet, par rapport à Julien Colomban. Vous le voyez, Julien Colomban avec le casque fluo jaune. Il a du mal à suivre Luxembourg de tête. Il se bat un peu plus avec la moto. Hein. Et on voit Sylvain Dabert. Regardez Sylvain Dabert qui tente tout. Il tente les intérieurs, il tente le freiner plus tard, mais il n'y arrive pas. Non, il est... Ouais. Pour l'instant, Sylvain Dabert dominé, le non-nuple vainqueur de la MV Cup, dominé de la tête et des épaules. Et même Maxime Emery, qui avait gagné ici l'année dernière, si je me souviens bien. Oui, exact. Maxime Emery a du mal à suivre le rythme de Vivien Gonnet. Il est pas loin, Maxime. Ah oui, mais devant, regarde, Maxime Emery, il est à 5 secondes déjà. Ouais. Oh, c'est incroyable ce que fait Vivien Gonnet, leader en moto, leader en voiture. Oh là 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 là, Vivien Gonnet. Vous avez vu, mais comment il a fait pour remettre Luxembourg sur l'équilibre là. Julien, il lâche pas. Hein. Non, il lâche Julien Colomban, qui ne le lâche pas. 6 dixièmes d'écart. Hein. Et tu vois maintenant, il commence à prendre un petit peu d'assurance à Vivien Gonnet. Il commence à dire je vais assurer. Il va rester un tour, je crois, au prochain passage. Un tour, il va rester un tour au prochain passage. Et j'ai l'impression que Vivien Gonnet est en train d'assurer un peu. Il faut faire attention quand même. Allez, on se retourne pas, Vivien. Regarde devant. Derrière, c'est Julien Colomban. Lui, il est plus facile d'être le chasseur que le chassé. Ouais. Et il va ils nous peut-être font se rapprocher. Du beau spectacle. Là, nos pilotes de Serre Chevalier, là, ils sont chez eux, à la maison. Allez, regarde les écarts. C'est incroyable. Ouais. Quoi. On a 5 secondes. Et non, là, ils sont sur notre planète. Hein. Dernier tour, José. Dernier tour. En 47. Vivien Gonnet qui se bat. Allez, Vivien. 47-3, record du tour, c'est incroyable. Allez, Julien, là, on essaye de passer. Ah non, il est trop loin. 8 dixièmes, il ne peut pas. Luxembourg, en plus, bon, il y a la technique de pilotage de Vivien Gonnet, mais Luxembourg de Vivien Gonnet, c'est une moto qui est admirable. Admirablement bien réglé. Ah ouais, là, Philippe. Admirablement bien piloté. Philippe Roland. Bravo, Philippe. Chapeau. Ah, puis Sylvain, là, pour qu'ils mettent autant à Sylvain, quand même, là, c'est qu'ils sont sur une autre planète. Hein, il est un peu revenu, il est. Bah, comme Vivien assure. Tranquille, Vivien. Sylvain Dabert est revenu à un peu moins de 4 secondes, mais c'est le dernier tour. Il va aller dans un. Allez, dernier virage. Voilà, il a bien assuré. Et sur la roue arrière, sans doute. Allez, pour vous saluer. Et Vivien Gonnet qui l'emporte. Vivien Gonnet et Julien Colomban. Voilà, alors, les deux pilotes de Serre Chevalier.
depuis le début de la MV Cup. Vivien Gonnet est invaincu, en finale. Ouais. Quatre finales de suite. Voilà. Vas-y. Quand même, excusez du peu. Alors, Vivien Gonnet, premier. Julien Colombe en second. Sylvain Dabert à la troisième place. Maxime Henry, 4. Marc Germain, 5. Romain Giof, 6. Et l'ATM de Noël Duvert, ouais, Duvert, ouais, 7. Malige, Martinez. Greg Martinez, pareil, 9e. C'est bien, c'est bien.